Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Alors aujourd'hui, ça va être le Gémeaux. Petit rappel avant de commencer, le pouvoir des archanges. Alors, les archanges sont des anges supérieurs placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole de leur caractère divin. Leur nom varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra. Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, mais celle-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque, eh bien, ils veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés. Quel chemin emprunter et quel but poursuivre? Les 12 archanges et le signe auquel ils appartiennent. Alors aujourd'hui, Gémeaux, et l'archange qui appartient, c'est Zadkiel. Zadkiel, c'est la droiture de Dieu. Donc, Zadkiel est associé au signe des Gémeaux et on parle de lui comme de l'ange du pardon, miséricorde et justice divine. Ce bel archange, Zadkiel, est l'archange de la liberté, de la bienveillance, de la compassion, mais aussi de la miséricorde. C'est pourquoi Zadkiel est aussi associé au pardon et à la pitié. Sa mission en tant qu'archange auprès des humains est donc de nous permettre d'accorder le pardon aux autres et à nous-mêmes. Si vous avez du mal à aller de l'avant, à oublier le passé ou à pardonner à quelqu'un,
eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide à ce bel archange Zadkiel. Il vous aidera à faire preuve de compassion et à pardonner. L'archange de l'évolution, en nous aidant à pardonner, eh bien, Zadkiel nous permet d'élever notre âme. Cependant, c'est aussi un archange qui nous permet de nous élever intellectuellement et socialement parlant. En effet, il favorise l'emploi, les promotions sociales et la découverte. En le priant, il peut nous aider à trouver de nouvelles idées utiles, de nouveaux chemins à découvrir, à rencontrer de nouvelles personnes et surtout à faire tomber les barrières mentales que nous mettons trop souvent en place pour tenter de nous protéger, mais qui au contraire nous enferment et empêchent notre esprit de s'ouvrir et de nous épanouir. Quand invoquer ce bel archange Zadkiel, lorsque nous avons besoin de compassion ou de pardon pour nous ou pour les autres, nous pouvons obtenir l'aide de Zadkiel. Il est aussi un soutien important pour tout ce qui touche à nos études ou à notre carrière. Ainsi, il peut être intéressant de prier l'archange Zadkiel avant un entretien, un examen ou tout simplement lorsque nous devons retenir des informations importantes. Lorsque nous avons besoin que nos facultés intellectuelles et mémorielles soient à leur plus haut niveau. Ce bel ange Zadkiel peut nous aider aussi à retrouver toute confiance en nos capacités et à laisser de côté nos inquiétudes, nos doutes nous concernant et à retrouver confiance en nous. La pierre de ce bel archange est associée à la lapis. Lapis-lazuli, voilà. C'est la pierre lapis-lazuli qui est associée à ce bel archange. Comment invoquer l'archange Zadkiel? Eh bien, isolez-vous dans un endroit au calme et préparez-vous à la méditation, à la prière. Vous pouvez utiliser des bougies ou de l'encens pour vous aider à rentrer en méditation. Essayez de visualiser l'archange Zadkiel. Imaginez une belle lumière vous entoure et laissez-vous imprégner de ce bel archange. Récitez votre prière à voix haute ou en votre fort intérieur. Il est préférable de l'avoir préparée avant, n'est-ce pas? Cela peut être une prière existante ou une écrite par vous. Une fois votre demande faite à l'archange, essayez de rentrer en communication avec lui. Ressentez sa présence et écoutez son message. Restez en méditation le temps qu'il vous est nécessaire. Parfois, l'archange entend votre prière mais ne se manifeste pas de suite. Une fois votre temps de prière terminé, prenez le temps de vous reconnecter à votre corps et aux éléments qui vous entourent. Les heures et jours suivants, eh bien,
soyez bien attentifs aux signes que pourrait vous envoyer l'archange Zadkiel. Les messages peuvent être très subtils, à vous de savoir les saisir. Vous pouvez prier l'archange régulièrement, mais il est conseillé de ne le solliciter que pour des choses importantes, n'est-ce pas? Alors il existe de nombreuses manières d'invoquer les anges comme les archanges, et chacun peut le faire, n'est-ce pas, à sa manière. Il n'y a pas de règles définies. Rappelons que l'archange n'accédera à votre demande que s'il l'a bien comprise et que s'il juge qu'il doit le faire. Prière à ce bel archange Zadkiel. Archange Zadkiel, je te prie de m'aider à me guérir le cœur. Si je m'enlise dans le ressentiment, je te demande de m'aider à faire disparaître complètement ce sentiment. S'il y a quelque chose qui m'échappe, je te prie de m'aider à voir clairement de quoi il s'agit. Si je manque de compassion, emplis mon cœur de miséricorde. Si je suis inquiet ou anxieux, emplis mon cœur de confiance et de calme. Je m'en remets dorénavant pleinement à toi et au Créateur. Et je sais que, grâce à tes pouvoirs divins, tu veilleras à chaque détail avec sagesse, dans la grâce et l'harmonie. Je te remercie avec toute ma gratitude. Fais une prière pour le remercier, ce bel ange Zadkiel. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À tout bientôt. Thank you.